Ok, Nyx. Tu vois un moyen de couper ces ventilos? Ouais, ça fait mal. Nixie, garde ça ouvert pour moi, tu veux? Ça devrait le faire. Un vrai labyrinthe ici. Restez près de moi. Je vais éteindre celui-là aussi. Oh. J'aime pas ça, Kay. Ces tuyaux ont l'air bien rouillés. Ça va. Je suis en un seul morceau. Est-ce que tu sais où t'es? Pas loin du hangar. Je le traverse et on se retrouve de l'autre côté. Continue, on suit le plan comme prévu. Le hangar est droit devant. Oh, comme t'es mimi. Comment ça va, Kay? Est-ce que tout va bien? Un peu occupé pour l'instant. Vous l'avez entendu. Continuez d'avancer. Qu'ils ont augmenté la sécurité depuis notre dernière visite. On est contre ! On est bientôt sortis des conduits. Je crois que je vais plus. Je crois qu'on bat des records. 7 piratages pour l'instant. Heureusement que les codes de Sliro facilitent la tâche. Après ça, tu seras tellement riche que t'auras plus jamais besoin de pirater. Tu comprends vraiment pas les pirates. Et de 8, encore personnel. Thank you.
les yeux ouverts. Ils nous ont pas encore repérés. Kay, on sort des conduits d'aération. J'ai bidouillé un de leurs droïdes pour qu'il se lance dans un cycle de maintenance. Il a désactivé toute la sécurité pour nous. Je dois admettre que c'était plutôt malin. Vous êtes mignons tous les deux. J'arrive. Pour ces vieux ascenseurs. Ok, faut juste un petit coup de boost pour ces vieux ascenseurs. Pour ces deux ascenseurs.
quel point je suis content de te voir. D'accord, j'ai fait un petit détour, mais maintenant, direction la chambre forte. Plus on tarde, plus ce sera compliqué. On a perdu un temps précieux avec ton petit accident. Il nous en reste assez. Ou alors vous l'avez gaspillé en disant du mal de moi? T'as grandi, toi. Allez, il nous reste encore beaucoup de trucs à pirater. Ok, Rico. T'es prête? Toujours. Et toi? Tu dois trouver le piratage en même temps, parce qu'au moment où les barrières tombent, le tour a lutté comme... Ok. Barrière et tourelle désactivées. Bien joué. J'avais encore jamais piraté en synchro avec quelqu'un. Peut-être parce que personne n'était encore à mon niveau. Ouh, impeccable. Le droïde portier est droit devant. Je vais me préparer. Je veux simplement parler. Bonne nouvelle pour toi. Je bosse pour Sliro, justement. Je sais que tout ça est une façade pour l'Empire. Allez, quoi? On bosse tous les deux pour le BSI. Pas besoin de compliquer les choses. Laisse-moi entrer. Pourquoi il faut que tu gâches tout avec une question pareille? Oh, je préfère ça. Les droïdes portiers, c'est de la belle technologie. Mais ça fait pas tout. J'espère qu'on ouvrira la bonne chambre forte cette fois. Ok, entrons dans cette chambre forte. Je vais poser les charges. Rico, à toi de jouer. Pirate cette porte avec les codes de Sliro. Une bonne leçon à retenir, Kay. Ne jamais utiliser les mêmes codes deux fois. Zerek Besh, comment ils ont su qu'on était là? Ils nous attendaient. Allez, allez!
Je dois te remercier. J'ai jamais eu l'occasion de toucher ma propre prime. Viens la chercher. Vale, tu l'as. Tu attends quelque chose? Non. J'ai changé d'avis. C'est une blague. Hilarant, pas vrai? 20%. 10. Je prendrai tout ce que tu as. C'est ça, ouais. 15%. D'accord. Vous croyez pouvoir vous en tirer comme ça? Hank, c'est quand tu veux. Vos vies sont finies. Vos familles, vos amis, morts. Il n'y a pas un seul coin de la galaxie où vous échapperez au BSI. Tuer un directeur du BSI me servira à rien. Mais ça peut toujours changer. Alors tu viens? Je vais jouer la montre. Touzérek Besh va bientôt te tomber dessus. Prépare-toi. Le casino est droit devant. Ok, Hank, Giddick, il est temps de se séparer. Quoi ? Hey, comment ça se passe? Je vois que t'as 7 minutes 30 de retard. C'est peut-être parce qu'on vient de croiser Sliro. Il était là. Ce type était bien plus parano qu'on le pensait. Mais on a la marchandise. Ah, Sarah, t'es là? J'ai infiltré la salle de sécurité. La balise de détresse est en place. Tu devrais avoir un beau signal. Y a quelque chose? Ça a fait un sacré bruit. Ok. Je crois qu'il faut que tu vois ça. Zarek Besh est en train de vider le casino. Voilà. Plus possible d'entrer par la grande porte. Dommage, c'était un bon plan. Ils veulent se battre? Ils vont pas être déçus. Eh bah super, il y en a au moins un qui est content. On y est presque. J'arrive pas à y croire, on est presque dehors. ND5, notre taxi est proche. Ton taxi est arrivé. Oh, allez, quoi. Notre chance vient de s'envoler, on dirait. On va faire 100, alors. À Sarah, retiens-les. Rico, piratez pas notre générateur. Piratage terminé. Le panneau est ouvert, Kay. Dégomme-le. Il y a des chasseurs. Je peux continuer de pirater ces panneaux, mais ça va prendre du temps. Tu vas le voir. Gardez en vie. Ouais, en deux. Presque fini de pirater la deuxième barrière. Explose-les. Je pirate la dernière barrière. Une petite minute, je viens, je crache.
C'est la première fois que je vois un souverain qui m'a pareil. Ok, c'est piraté. Kay, à toi de jouer. Attends. Je vous déconseille de faire ça. Plus pareil après ça. Il est où le butin? Ça, c'est beaucoup mieux. Les données de Sliro. Code d'accès impériaux, planning opérationnel, plan de la base. Et sa petite collection personnelle d'informations pour faire chanter presque tous les officiers de l'Empire. Ses amis du BSI ignorent qu'il a tout ça en sa possession. Vous aviez dit que la rébellion y aurait accès et que personne ne serait blessé. Y a quelqu'un ici qui va pas me poignarder dans le dos? Sliro a investi plusieurs millions du BSI dans Zerekbesh. Il voulait utiliser les réseaux criminels pour traquer l'Alliance Rebelle. Il a échoué, mais étonnamment, il a tout de même réussi à créer l'un des syndicats les plus puissants de la galaxie. Vous voulez Zerekbesh? J'ai le Codex, j'ai le réseau rebelle d'Asara et... Contrairement à Sliro, je vais donner à l'Empire tout ce dont il a toujours rêvé, tout en gagnant des millions. Vous savez quoi contre Sliro? Je rétablis l'équilibre, Kay. Tu seras libre de partir quand Zerekbesh sera à lui et il n'y aura plus de mise à prix. C'est ça, le deal. Et à Sarah? Ok. On va changer le deal. ND5... Gardez l'œil sur la cible, petite. Ce n'est pas moi, Kay.
doucement. Reste près de moi. Quoi ? Non, c'est toi qui restes près de moi. J'ai un blaster, je te rappelle. Je ne veux pas donner l'impression qu'on est perdu. Où sont les turbo-ascenseurs ? Comment je suis censé le savoir ? J'ai jamais été affecté à un destroyer stellaire. Elle en a signalé. Il n'y a rien ici. Donc ton plan, c'est simplement d'aller voir ND5 avec le pic Liberté ? Ça devrait faire sauter son pot de contention. Non ? À moins qu'il fonctionne pas, le pic. Ou que tu puisses pas t'approcher. Et si on reconnaît ta démarche ? Je me ferais blaster. Oh. Bah, si c'est que ça. Reçu. La seule affectation facile, c'était la dernière. Vermine rhodienne. Très originale. J'adorais mon ancien capitaine. Il était toujours devant. C'était hier, c'est fini. Allez, que quelqu'un tente quelque chose. Compris. On reste en alerte. Tout est calme ici. Soldat. Où emmènes-tu ce prisonnier ? C'est... un transfert standard. Aucun transfert n'est planifié aujourd'hui. D'ailleurs, je ne vois même pas de dossier pour ce prisonnier. Les ordres viennent directement d'en haut. J'en doute fortement. Écoutez, je fais ce qu'on m'a ordonné. Vous voulez causer des ennuis ? Allez-y, faites remonter ça au BSI. C'est le BSI qui a ordonné ce transfert ? Ah, et pas qu'un peu. Vous n'avez qu'à les appeler. Je parie qu'ils vont adorer entendre que vous retenez un prisonnier ici. Et j'espère pour vous que vous n'avez rien à cacher. Non, non, pas la peine. Vas-y, soldat. Bien joué. C'est aussi simple que gérer la police de Kanto. Il y a une salle de contrôle. Tu peux accéder au terminal du vaisseau. On doit trouver ND5. Ok. Comment tu veux procéder ? Tu vas voir. Reste hors de vue une seconde. On aura le 12 au prochain cycle. Kay, la caméra. Tu peux la couper. J'accède à son noyau de données. Il y aurait moyen d'aller plus vite. Kay, tu vas pas aimer ça. Siro ? Qu'est-ce qu'il fait ici ? Apparemment, il a été appelé pour une conférence. Tu paries combien que Jaylen et ND5 sont là-bas ? Si j'arrive à temps, je pourrais rejoindre son escorte. C'est une très mauvaise idée. Je suis un Stormtrooper, Giddick. Pour Siro, je suis invisible. Je déverrouille la porte. Prends le turbo-ascenseur avant qu'il parte. Soldat, tu es relevé. Quoi ? On ne m'a rien dit. Arrête de me faire perdre mon temps ! Tu es relevé de ton poste. Alors maintenant, disparais ! Bien sûr, monsieur. Je m'en vais. Je n'avais encore jamais vu un vaisseau aussi mal géré. Est-ce que c'est toujours comme ça ? J'en ai bien peur, monsieur. Quelle honte. L'état de la flotte impériale est lamentable. Quelle audace ! Quel incroyable culot ! Qui oserait me convoquer à l'autre bout de l'Empire ? J'espère que cette affaire est de la plus haute importance ou quelqu'un en pâtira. Oui, directeur. Je vous escorte au pont, monsieur. Je connais le chemin.
Pas besoin d'un subalterne pour me tenir la main. Directeur Barsha, j'ai cru comprendre qu'il y a eu une brèche de sécurité. C'est une affaire personnelle. Vous avez fait preuve de négligence avec des renseignements impériaux. Votre utilité auprès de l'Empereur touche maintenant à sa fin. Jaylen ? L'Empire accepte vos conditions, Jaylen Vrax. Joli cap. Je parie que la fourrure, c'était ton idée. Les coordonnées de la base rebelle. Direction à Kiva, mon ami. Les conditions ? Le Seigneur Vador est très exigeant. En échange des rebelles sur Akiva et la restitution de certaines informations sensibles. Tu n'as toujours pas compris. Les conditions, Jaylen. L'Empire va me donner Zerek Besh. Et toi ? Tu lui as dit ? Que nous sommes frères ? Ce n'est qu'un détail. Tu n'as pas la moindre idée de ce que tu as fait. Je sais exactement ce que j'ai fait. La guerre des clones était finie. Nos usines allaient se lancer dans la construction de milliers de destroyers pour la flotte impériale. Nous aurions été la famille la plus riche de Corellia. J'ai fait ce que j'avais à faire. Tu nous as accusés de comploter contre l'Empereur. Et pourquoi, au juste ? Une promotion. Nous avions absolument tout, Sliro. Non. Toi, tu avais tout. Moi, je suis resté l'erreur de ton père. Tu avais une place à notre table. J'avais les miettes. Et tu ne ratais surtout jamais la moindre occasion de me rappeler que c'était toi, son préféré. L'héritier, c'était moi ! Nous formions une famille. Bon. Tu me dois un empire. Alors je prends le tien. Tu te souviens de ND5 ? Pas de cette cicatrice sur son torse. Tu l'as envoyé traquer et éliminer. Tous les Barsha encore en vie. Ce que tu peux... Je pensais que j'allais ressentir quelque chose. Rétablir l'équilibre, c'est ça ? En fait, c'était pour vous venger de votre frère. Tu dois le savoir, Kay. C'est la famille qui nous blesse le plus. Si tu es là pour le Codex... Je suis là pour ND. Et lui, je suppose. Tu veux rire ? Eh bien, viens les chercher. Giddick, les choses ont mal tourné. ND m'a vu et maintenant il essaie de me tuer. Ok. Je vais trouver le chemin le plus court pour le regard. Non, j'ai un... Je me fatigue pas, j'ai un de bord. Éloigne-toi de moi, Kay. Et n'as plus jamais de courir. Je vois qu'une seule issue. Turbo-ascenseur droit devant. Ok, ça marche. Kay,
On peut partir, tu sais. T'auras essayé. Tant que ton pic fonctionne, j'ai encore une chance d'y arriver. Tu aurais dû écouter Rico, Kay. Je t'ai offert un nouveau départ. Tu aurais pu tout recommencer. Vous comprenez rien. Je veux pas repartir à zéro. Je veux mon équipage. Guédic, où je suis? D'après les plans du vaisseau, tu as devant toi les noyaux de puissance principaux et secondaires des boucliers déflecteurs. On parle de quel genre de puissance, là? Suffisant pour étourdir un droïde BX, non? Les composants de ND5 sont blindés, mais ça devrait l'arrêter un moment. Dis-moi comment faire. Tu dois alimenter les deux noyaux. Ils déclencheront une décharge d'urgence via leur émetteur central. Compris? Donc, j'active les deux noyaux, je la tire au milieu, et quoi? Ça l'étourdira? À peu de choses près. Félicitations pour être sorti de la capsule de sauvetage. Mais tu aurais dû fuir. J'espère simplement que ND5 n'aura pas tout fini avant que j'arrive. Émetteur, je dois configurer le piège sur la console. Quelque chose cloche avec les noyaux. Guédic, je suis au premier noyau. Active-le. Il nous faut autant de puissance que possible. Je le déverrouille. Ça va pas le tuer, n'est-ce pas? C'est un droïde de combat haut de gamme, Kay, mais il est vieux. Je garantis rien. Verrouillé. Je peux peut-être activer les noyaux avec les commandes manuelles. Thank you.
Tu essaies de surcharger les noyaux déflecteurs. Pourquoi ? Pour brouiller tes capteurs. Okay. J'essaie de nous sauver tous les deux. Kay, tu n'aurais pas dû venir. Tu sais que je ne peux pas contrer les ordres de Jaylen. Comprends-moi, ND. Fallait bien que j'essaye. Désormais, j'aurai aussi ta mort sur la conscience. Il n'y a que ici. Jaylen a gagné. ND, je sais que tu ne veux pas faire ça. Ce que je veux n'a plus d'importance depuis très longtemps. Et pourtant, tu continues à me parler. Il y a un conflit en toi. Le flou ne fonctionne pas comme ça, Kay. Le flou est absolu. J'entends les tirs de blaster, Kay. Ça veut dire que la fin est proche pour toi. Je t'avais dit que je te trouverais.
Giddick, j'ai activé le deuxième noyau. Kay, fonce vers l'émetteur. J'ai trop d'interférences. Je dois la tirer au milieu. Tu aurais dû me laisser. Ennemi en vue. Giddick, j'ai activé le deuxième noyau. Kay, fonce vers l'émetteur. Il y a trop d'interférences. Je dois la tirer au milieu. Cours plus vite, Kay. Ok, Ende. Me voilà. T'as gagné. Je combattrai plus, mais je sais que c'est pas toi. C'est Jayla, n'est-ce pas? Je savais qui fuir. Jamais imaginé ça de toi. Plutôt résistantes, ces unités BX. Blaste-la. Je vais prendre ça. Est-ce que ça va? On peut mieux. Cool. Parce que je peux pas respirer dans ce truc. Je vais te remercier, Kay. Mais pas m'excuser. J'ai fait ce que je devais faire. J'ai rien demandé à Sarah. Écoute, le Codex peut sauver beaucoup de vies. T'as affronté la plus grande puissance de la galaxie pour sauver un ami. J'essaye de sauver les miens. Nix, appuie sur le bouton! Giddick, tu m'entends? Oh, Kay, t'es vivante! Asara et ND5 sont avec moi, et on aurait vraiment besoin d'un turbo-ascenseur. Compris. Il y en a un droit devant. Je l'appelle pour toi. Voilà l'ascenseur. Et voilà les Stormtroopers. Nix, attention à toi. Thank you.
pas qui va. Ils ont aucune chance contre ce destroyer stellaire. Tu sais, j'aime pas trop nos chances non plus. Ces Death Troopers s'approchent doucement. À l'ascenseur, vite! Thaïs, Corbus de Huha. Base de Kivo, à vous. Tenyon, il faut évacuer. L'hyperpropulseur est prêt. On peut sauter. Azara, j'entends mal. Tu peux répéter? L'Empire sait où vous vous trouvez. Vous me recevez? Redirection vers les déflecteurs. Les déflecteurs? Mais c'est une blague. Did you tap on attack, please? Azara, essaie encore. Balise de détresse. Je demande un petit coup de main. On verra. Ok,
je détecte 3 escadrons de combat de chasseurs TIE. Oh, il est temps de voir ce que ce vieux vaisseau a dans le ventre. Ennemi, à l'arrière. Parce qu'il vaut, vous me recevez? Un destroyer stellaire arrive en position de bombardement. Denyon, tu m'entends? Raconte un message qui passe. Ça marche pas. Je vais essayer d'amplifier le signal. T'as pas intérêt à couper l'alimentation des déflecteurs. Denyon, passe devant. Et quoi? Vous me recevez? J'ai touché les cailles. T'as survécu? On va dire ça, ouais. Ok. Pas mal. Pas suffisant. Donc? Quelqu'un a répondu à la balise. Quoi ça? Léa Siga répond à votre appel. Et merci d'avoir répondu, votre Altesse. Reine, Majesté. Nous exigeons un échange. Un échange? Le codex. Nous allons le prendre. Ah, ça? Dis-le. Dites aux rebelles que nous sommes alliés. Pour l'instant. Syndicate Zambilio Christurama. Sorry. Diventas tout mekiyun. Et si on s'activait un peu avant qu'il change d'avis? Je suis d'accord. L'évacuation des rebelles est en cours. Mais si ce destroyer stellaire tire sur l'usine, Mira subira des dommages catastrophiques. J'ai compris. Il faut qu'on trouve un moyen d'empêcher ça. On peut vraiment arriver à abîmer ce truc? Pas avec ces boucliers. Kay, tu dois détruire les générateurs de boucliers. Regarde à droite. Ouais, ouais. Ok, Denyon, dis-moi franchement. On a vraiment une chance contre ce truc? Il y a toujours un espoir, Kay. Je dirais 4 contre 1 pour l'Empire. Oh, c'est pas si mal. C'est bon. À ta gauche. Ok, je suis dessus. On lui tire dessus. Vaisseau Ashiga, comment s'en sort votre nouvelle reine sur Kijimi? Il n'y a pas de nouvelle reine, ni d'ancienne. Il n'y a qu'une reine Ashiga, qui est éternelle. Ouais! Regarde à gauche. C'est fini pour notre bouclier. Thank you.
fusion interne et une réaction chaîne dans les moteurs du révélateur. J'aurais jamais... La meilleure pirate de la galaxie avec des crédits marqués plein les poches. Jaylen Vrax était malin, n'est-ce pas? Je vois que vous avez lu mon dossier. 10 équipes en l'espace de 9 ans. Pas de foyer, pas de famille. Et absolument aucune attache. Sauf une. Une idée de ce que ça peut être? Un pari sur la course de Phasiars? Un tracker. Du genre costaud, en plus. Personnalisé. Je dirais qu'il a au moins 10 ans. La personne qui l'a conçu tenait vraiment à savoir où se trouvait sa cible à tout moment. Ça se comprend. Il n'y aura pas toujours quelqu'un pour nous aider, n'est-ce pas? Mais... on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Mal. Pour une impériale. Cette prisonnière a besoin d'être seule pour réfléchir à ce qu'elle a fait. Suivez-moi, soldat. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, à ton avis ?